Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD, toujours sur Age of Wonders Planetfall. Et ben on est dans cette situation compliquée où je vous avais laissé juste avant, hein, on n'a pas coupé beaucoup, hein, on a juste le temps de me voir, de dire 2-3 trucs. Mais du coup, on est un peu quand même... c'est pas angoissé, parce que je dirais pas que je suis angoissé, c'est pas le bon terme, mais je me sens concerné par ce qu'il y a autour de moi. Très clairement, je me sens concerné, quoi. Ça va pas être simple. Je pense que ça ne va pas être simple du tout. Je pense que ça risque même d'être très compliqué. Surtout d'avoir deux guerres sur deux fronts côte à côte, ça risque d'être chaud, clairement. Très clairement. Mais bon, il va falloir faire avec. Il va falloir faire avec. Ici en haut, t'es venu poser une ville. Non, attends, c'est pas le même. Si ? Si, ça c'est Maina. Oh, elle est venue prendre le territoire qui est là ? Mais non. Mais non. Alors attendez, par contre là ça pue de ouf si tu es là. Si tu es là, ça me pose problème. Si elle est juste là au nord, ça me pose problème. Ça me pose drastiquement problème. On va remonter doucement mais sûrement. On va les chasser parce que je veux leur expérience. Donnez-moi mes points. Je veux mes points. Hop. Là je récupère ça. Là on va venir s'avancer par là. Puis on va remonter pour essayer de l'affronter par là. On a une offre d'adhésion d'un héros. Oui Billy. Carrément Billy. Et je vais t'envoyer ici à Selanas. Ici je vais te remplacer. Ah mais on n'a pas beaucoup de cosmites. On n'a pas beaucoup de cosmites du tout. On n'a pas du tout de cosmites. C'est gênant. C'est très gênant. C'est très 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 gênant. C'est vraiment gênant de ne pas avoir de cosmites. C'est vraiment super gênant. On va mettre ça, on va améliorer nos dégâts à distance. Et tant qu'on peut pas mettre les améliorations, on va faire avec. On va faire avec. Mais par contre, ça va être relou. Ça va être super relou. Et je pense que je vais peut-être commencer à avancer pour le trigger au sud. Je vais peut-être avancer pour essayer de le trigger un petit peu au sud. Bon, là, on se fait emmerder par ces saletés. Mais là, je peux pas les attaquer. Je peux pas les attaquer. Je me ferai exploser. Je me ferai totalement exploser. Donc, on va pas y aller parce que j'ai qu'un héros. Donc, non. Donc, non, clairement pas. Toi, en vrai. Non, je vais le laisser à Selanas quand même. On va passer le tour. On va vendre. Ah, je l'ai envoyé dans l'arsenal. Je l'ai pas vendu. J'allais dire on va le vendre, mais je l'ai pas fait. Je me suis trompé. Tu as Maina qui est en train de mettre des forêts un peu partout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah! Par contre, il a reperdu tout de suite le territoire. C'est bien. Parce que Zarai, je ne suis pas en guerre avec. Zarai, pour l'instant, je ne suis pas en guerre avec. Et j'aimerais bien ne pas déclencher la guerre tout de suite. Ah, par contre ici, combat auto, on va se faire défoncer. Non, on a réussi. On a réussi cette fois-ci, très bien. Là, on peut re-assembler ça avec Lucario, c'est cool. Par contre, Zara, il vient de nous déclarer la guerre. Mais t'étais pas obligé de me déclarer la guerre, Zara. Pas tout de suite, pas tout de suite. Bon, bah, falloir venir protéger ici au nord. Il va falloir venir protéger au nord. Donc, toi, vas-y, tu te déplaces. Là, c'est bon, on l'a fait se relier. Confirmer le déplacement ici. Tu vas venir attaquer. Bam. On va faire sauter le territoire. Ou je reste ici. Non, je pense que je vais le raser. Je vais le raser, je vais en refaire quelque chose derrière.
Et ici, on va faire ça, acheter maintenant, tac. Améliorer ça, faire ça, ok. On n'est pas trop mal, Moins de 100 à cause de ma personnalité, pourquoi? N'aime pas les classements de capacité militaire inférieure. Et oh, je fais ce que je peux, Coco, hein. Je fais ce que je peux. Ah, par contre, Post-Technor a été vaincu. Ah. 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 Mon ancien allié a été vaincu par... par l'autre Kirko. Ok. Ok, ok. Soit. On va faire avec. Ça va être tellement un zbeul monumental, quoi. Faut accepter, hein. C'est ma foi, c'est comme ça. Du coup, j'ai une guerre au nord alors que j'ai aucune visibilité. C'est pas génial. J'aimerais bien finir ma guerre qui est à l'est. Si je peux finir ma guerre à l'est, au moins je suis contre mon allié. Si mon territoire est contre le sien, on est plutôt posé, on est plutôt tranquille. Et ça c'est bien. Ça c'est plutôt pas mal. Ça va être un peu l'enfer, hein. Après, si je peux emmerder un peu Maïna au même endroit... Ah, merde, j'ai perdu une ville. C'est la ville que j'avais piquée à mon ennemi à l'est. Donc, il a dû juste venir reposer une troupe dessus et ça lui a redonné, je pense. Ouais, c'est ça, il est juste venu... Ah, c'est les autonomes ! Mais vous êtes sérieux ? Mais vous êtes des emmerdeurs. Je vais vous défoncer. Confirmer le déplacement. Oui, oui, vas-y. Ordre requis. Il va venir m'attaquer, donc je vais venir remettre ça ici. Toi, j'aimerais bien te mettre le nouveau plan, mais je peux pas parce qu'il manque un. Il me manque. Pas 36 000, non. Il me manque un. Quel enfer. Tant pis. Ici. Rien à faire. D'ailleurs, je contrôle pas ça ici, ni ça. Ça pourrait être bien que je vienne m'en occuper. Ce que j'aimerais bien, c'est de la cosmite aussi. Est-ce que, éventuellement, par le plus grand des hasards, je pourrais trouver un peu de la cosmite dans le coin ? Par là, il y a de la cosmite, mais c'est loin. Par là, il y a de la cosmite, mais pareil, c'est pas forcément à côté. Là, déjà, c'est plus près. Ok. On va terminer le tour. Continuez à balader. Baladez-vous. Alors, c'est bien, mes éclaireurs sont en train d'explorer le terrain de mon allié. C'est cool, mais je le vois déjà, le terrain de mon allié. Quitte à l'explorer un truc, j'avoue que si tu pouvais l'explorer autre chose, ça m'arrangerait. Quand même. Voilà. On va pas se mentir, ce n'est pas l'endroit où j'ai le plus besoin d'explorer. Par contre, on est en train d'envahir mon territoire et je pense que c'est mon voisin du nord qui m'a déclaré la guerre. Je pense que c'est elle qui m'emmerde et qui est en train de ramener une armée pour venir me saouler. Mais je vais re-récupérer la ville à droite en fait. Il faut que j'aille re-récupérer la ville à droite. Il y a de nouveau une guerre qui se déclenche. Ronde de balayage. Allez, les petits robots viennent nous emmerder. Génial. Ouais, c'est le Zozo là qui vient nous emmerder. On va rester là en attente. J'aurais bien payé ça, mais je ne peux pas. Par contre, je peux vendre tout un tas de choses. Donc on va vendre tout ça. En espérant avoir peut-être assez pour pouvoir payer les défenses, mais ça n'arrivera pas. Malheureusement, j'aurai pas assez. Parce qu'il me semble qu'il faut 400.
Faut 416 et j'ai 215. Donc je l'ai dans l'os. Je l'ai dans l'os, tant pis. Tant pis, tant pis. Toi, je te mets en attente. Toi, je viens remplacer le plan. Voilà. Et j'aurai pas assez. Confirmer le déplacement. Bonjour. Veuillez crever. Merci. C'est ma ville. On a dit l'assemblage. Ça serait gentil. Coucou Casting Matt. Comment vas-tu? J'espère que ça va bien. Mais regardez-moi toutes ces troupes de merde. Et il est à lui qui vient m'emmerder là. Là ça commence à être compliqué hein. On peut pas se défendre sur tous les fronts hein. On ne peut pas se défendre sur tous les fronts. Est-ce qu'il fixe sa sentinelle de mêlée se déclenche avant que c'est un non ça, on s'en fout. C'est quoi infatigable? Permet de déclencher sentinelle de mêlée plusieurs fois pendant un tour mais jamais deux fois sur le même type. Non. Assimilation, on s'en fout. Commandant d'infanterie, déjà ça c'est mieux. Voilà, tu vas venir le prendre. Tu vas venir le prendre. Bon. On a ces armées là qui vont venir nous attaquer. On a ces armées là qui vont venir nous attaquer. Par contre, de ce côté là c'est calme. De ce côté là c'est calme. Et là notamment il y a un truc de colonie. Il va peut-être falloir que j'envoie à un moment donné mon héros balader. Le problème c'est que si je l'envoie balader, là j'ai plus vraiment de défense et ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. On va essayer de temporiser un petit peu encore. On va essayer de temporiser encore un petit peu. Mais c'est pas très bon. Mais c'est pas très bon. C'est pas très 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 bon. Pour l'instant, je vous avoue que on n'est pas très solide sur les appuis, comme on dit. Hein. C'est pas idéal la position dans laquelle on est. C'est vraiment tout sauf idéal. Voilà, je le sentais venir. Alors, il ne lui reste que deux unités. Ça, c'est plutôt cool. Parce que du coup, on va venir la récupérer direct. Ah, et t'es venu m'emmerder, toi, tout de suite. Genre, là, direct, tu viens me saouler. Cool. Et j'ai même pas les déplacements nécessaires pour aller là. Mais t'es sérieux? Par contre, il est en train d'aller emmerder au nord l'autre. Ce qui m'arrange parce que du coup, c'est pas moi qui l'emmerde. C'est pas moi qui l'emmerde. C'est ce qui me plaît bien. Hein. Ce qui me plaît bien. Ah. Cette fois-ci, c'est Jacques Gelder qui prend un coup. C'est Jack Gelder qui prend un coup. Et son héros, est-ce qu'il est mort ou pas, Jack? Non, normalement, non. Même s'il vient de se faire bouffer sa capitale. C'est à chaque fois les capitales qu'elle cible. C'est à chaque fois les capitales qu'elle cible. Ça veut donc dire qu'elle va venir cibler notre capitale. Ouais. Ouais. Parce que j'ai dit que j'étais pas chaud pour ce qui va se passer. Que je vous ai déjà dit que j'étais pas chaud pour ce qui va se passer. Parce que là c'est notre capitale qu'elle va faire tomber. Elle va bouffer notre capitale. Elle va bouffer notre capitale. Elle va bouffer notre capitale. Ça veut dire que les héros, il faut que je les déplace. Oh la... ouais, je vais déplacer mes héros pour pas que ça me tombe sur le pif. On va passer le tour. Je pense que la prochaine fois qu'elle fait une attaque de néant, c'est moi qui la prends. Hein. Je pense que c'est moi qui la prends la prochaine.
Je pense que c'est moi qui l'apprends et que ça va faire mal. Par contre, encore une fois, je trouve que c'est pas très équilibré. Les attaques de Carminia, c'est que tu perds un territoire, c'est fini, point, il est plus disponible. Là où par contre, pour le corps, il t'envoie juste des armées, mais qui peuvent se faire éclater en fait, et qui d'ailleurs, en général, se font éclater, hein. Donc je trouve que c'est pas très très égal en termes d'équilibrage. Je trouve que c'est très très fort le pouvoir de Carminia. Je trouve qu'il est trop fort le pouvoir de Carminia pour être précis. Je suis pas sûr de trouver ça génial. Le fait de faire disparaître des zones comme ça de terrain, point, c'est vachement fort, c'est vachement bourrin. Oh mais non. Si je fais ça, combat risqué, hein. Bah ouais, hein, bien sûr. Je vais me mettre là, hein. Je vais me mettre là. Bionique avancée, ouais. Hardin, tu vas faire une habitation. Et derrière, tu vas venir faire ça. Puis tu vas faire ça. Puis ça. Ok. Confirmer le déplacement. Ouais, viens là. Tu te mets en sommeil. Tu peux récupérer un secteur. C'est très bien. C'est très bien. C'est très très bien. Tu vas venir récupérer quel secteur? En vrai, plutôt vers le sud, hein. Pour la goupille, ça sera celui-là. Puis bah du coup ici j'ai pas assez. On va terminer. On va terminer. Maïna va venir m'emmerder, je pense. Bah d'ailleurs mon territoire est envahi. Mon territoire est envahi. Pourquoi? Oh. Vous êtes nombreux là. Vous êtes un peu nombreux quand même. C'est pas l'impression d'abuser. Pas trop. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être grave compliqué. Bah, combat auto, hein. De toute façon, c'est un combat impossible. Voilà. Très bien, détruisez-moi le secteur. Je voulais surtout supprimer la zone ici, hein. Je voulais enlever le parangon, donc je l'ai enlevé, je suis content. C'est pas ouf, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Est-ce que j'irais pas taper un peu dans les secteurs par ici? Et du coup, toi, tu es en train de te faire couper en deux. Là, il est en train de se faire couper en deux, Jack. À cause du fait qu'il a perdu sa capitale, notamment, je pense. Ça met dans la merde, hein. Perdre une capitale comme ça, c'est sale, hein. Non, par contre, je peux rien. Je peux. Je. Non. Non. Hop. Un tour encore. Et après, t'auras une ville et donc une garnison. Je serais tenté de te dire, tu vas faire un colon. Hein? On va faire un colon et puis on va essayer de faire des trucs avec. Là, par contre, ça pue tellement la merde. Parce que là, les chaînes de l'esprit, je vois pas comment est-ce qu'on peut résister. Hein? Ça va nous tomber droit sur le rable. On pourra pas faire grand-chose. On pourra pas faire grand chose. On va juste la prendre droit dans les dents. J'ai pas de quoi défendre. J'arrive pas à faire d'armée là pour l'instant. C'est compliqué, hein. Combat impossible. Ouais, j'ai remarqué, hein. Je me doutais. Waouh, on a tué un truc. Bravo. Comment est-ce que c'est possible de ne perdre qu'un truc? J'ai pas envie de faire le combat moi-même à la main. J'ai pas envie. Tu fais quoi? Le chat? Ça c'est quoi? Quelqu'un qui me déclare la guerre? Non, c'est pas moi. Par contre, j'aimerais bien que vous vous mettiez sur la gueule entre vous, hein. Vous n'êtes pas obligé de venir m'emmerder moi, hein. Vraiment, vous sentez pas obligé, les gars, hein. Vraiment, aucun problème si vous allez voir ailleurs, hein. Si vous vous battez entre vous, ça me dérangera pas. Sérieusement. Bonjour mon chat. Ça me dérangera vraiment pas, hein. Enfin,
Non, hein. Pas moyen, hein. Pas moyen. Ah, par contre, il y a l'autonome qui est en train de s'enfoncer dans mes lignes. C'est bien. C'est général. Ok. Cool. Il rentre droit dedans. En même temps, je peux pas faire grand chose, malheureusement. C'est toujours le même problème. J'ai pas beaucoup d'unités et ça va être compliqué d'en sortir plein. Ça va être compliqué d'en sortir plein. Ça va être compliqué. Toi, tu pourrais venir défendre. C'est ce que tu vas faire. Combat à faible risque, vas-y, élimine-moi ça. C'est bien. C'est cool. Ici, t'as pas assez de toute façon. Tu n'as pas assez. Et on est d'accord que pour l'instant, j'ai pas le module que je voulais. Et donc, on va faire avec. On va faire avec. Toi. Toi, toi, toi. Faudrait que je te ramène un petit peu. Faudrait que je le ramène un petit peu. Faudrait que je vienne sécuriser un peu les territoires. Faudrait que je vienne sécuriser les territoires un petit peu. Combat au risque. Ah mais merde, j'ai perdu des unités. Et j'ai moins de snipers. J'ai moins de snipers. On a une nouvelle ville qui va s'appeler Castigmat. On va faire une nouvelle ville qui s'appelle Castigmat. Déjà, on vient te régler ici en ça et ça. Ta centrale de base, c'est la production de science. Non. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Tu vas me débloquer ça en instant. Comme ça, je peux faire des tireurs d'élite Vorpalin. Parce que je vais en avoir besoin. Je vais en avoir besoin. Je vais en avoir besoin vite. Malheureusement, je vais en avoir besoin vite. Et on va en faire maintenant. On va en faire maintenant. On va en faire maintenant. On va commencer à en produire un peu partout, même si c'est des trucs à la con qui sont pas améliorés, ça sera toujours utile. Toi, tu vas rester en défense. Toi, tu vas rester en défense. Ordre requis. Et ben... tu vas venir prendre les secteurs et nettoyer tout ça en vrai. L'autre zozo, il m'emmerde. J'aimerais qu'il reparte. Ah bah non, forcément, il va venir m'attaquer. Il va venir m'attaquer. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Eva a déclaré la guerre à Yuri. Ok. Soit. Soit. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres gens en guerre avec Maïna. Parce que là, elle est un peu centrée sur moi, un peu concentrée sur moi. Et je peux pas faire grand chose. Je peux pas faire grand chose parce que j'ai en même temps ma guerre à droite avec, avec Claudius. Donc, ça me rend pas super heureux. Ça me rend pas super heureux de me faire un peu éclater les fions là. C'est pas idéal. Oh, et il est mort. Jack est mort. Jack est mort, je crois. Parce que ma demande de secteur est vachement moins grande. Une des victoires était vachement plus élevée. Non, il est toujours vivant. Pourquoi alors est-ce que ça ne me demande que 105 secteurs? Alors que tout à l'heure, ça m'en demandait beaucoup plus. C'est étonnant. C'est étonnant. C'est assez étonnant, ça. Je comprends pas trop la logique, mais soit. Venez vous mettre en défense ici. Là, le problème, c'est qu'il me faudrait un sniper, mais j'ai pas les thunes.
pour me l'acheter. Je n'ai pas les thunes pour me l'acheter. On va faire ça. On va faire ça. Ça. Ok. Donc bah, tu restes en attente. Hein. Tu fais le dos rond et tu prends les coups. On va refaire un tireur d'élite. On va refaire un tireur d'élite. On va refaire un tireur d'élite. Normalement là... Oh, elle est venue attaquer ma capitale, mais tu te fous de ma gueule. J'ai la flemme, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête pendant trois plombes. Quartier généraux perdu. Oui, je sais, je suis au courant. Je vais essayer de le reprendre. Tra, mais elle est venue attaquer ma capitale, quoi. Pff. Emmerdeuse. Emmerdeuse. Oh, ça va être chiant. Ça va être chiant de récupérer Tardo. Ça va être très très chiant de récupérer Tardo. Faudrait que j'envoie plusieurs héros en même temps. Et je pense qu'ils sont trop loin pour rentrer. Je pense qu'ils sont trop loin pour rentrer. Par exemple, toi. Tu peux pas. Là, c'est un vaisseau de colons. Donc ça ne fait pas grand chose. D'ailleurs tu vas venir faire une colonie par là hein. On va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut. Et toi du coup si tu voulais attaquer ici, combat au risque, admettons on dit qu'on est des joueurs. Et on se fait totalement éliminer. Ça me convient pas. Ça me convient pas et très honnêtement, je ne sais pas comment faire là. Là, on se fait vraiment éclater le fion. De toute façon, même si je réessaye de faire le combat, je vais me faire éclater. Je vais essayer de refaire le combat à la main, mais je pense qu'on se fait éclater. Je pense que là, on se fait éclater. Elle est très très chaud, la mission de fin, la mission finale est très 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 dure. Hein. C'est compliqué d'être en guerre contre autant de personnes aussi rapidement en fait. C'est vraiment très vite très compliqué. C'est très très vite très compliqué. Ah, puis t'as des pouvoirs de guérison. Génial. Allez, déplacez-vous mes loulous. On va essayer de faire la technique du sniping. Hein. On va les attirer à nous. Se mettre en défense. Les taper au fur et à mesure. Et puis on verra comment... ça se passe bien ou pas. Toi, si tu te mets là, tu tapes bien fort. C'est cool. En plus, t'as les dégâts de feu, toi. Très bien. Très bien. Très, très bien. Tu vas te mettre comme ça. Toi tu vas venir là, tu vas taper là, tu tapes en zone, j'aime beaucoup ce que tu fais dans la vie. Parfait. À remords. Ah bah c'est génial. C'est génial. Et là tu peux pas les taper, ils sont trop loin. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Tu vas te mettre en machin, en sentinelle. Trop loin, trop loin. Hop, on passe le tour, on va les laisser s'approcher à nous, ils nous scannent, ils se mettent des boucliers, oh ils se font de la guérison dans tous les sens. Ok, toi tu peux l'éliminer. Parfait, merci. Merci. Alors là, on a du 60, du 60. Oui, très bien. Vas-y, tape là-dedans. Tape là-dedans. Tu fais du dégât de zone. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Ça, j'apprécie beaucoup.
On a du 55. Non, bah vas-y, 55 c'est bien. Ah, c'est un héros que je suis en train de taper. Bon bah ça l'a réduit de 1. C'est au moins ça de gagné. Si je m'avance, 80%, je peux peut-être retirer encore une action. Si je peux lui retirer les actions, c'est quand même le must. C'est quand même le must. Là. Je vais m'avancer. Et je vais tirer là. Si on peut tuer son héros rapidement, c'est bien. Ça serait très très bien. Ah, t'as de la résistance, hein. Saleté. Allez, toi. Par contre, elle a normalement pas mal de saignements, donc il y a des chances que le héros meure, mais il se soigne. Ah, oh, mais quel enfer. Ah, et puis toi, tu fais dormir les gens, c'est bien, c'est génial. Rien de pire que du contrôle. Rien de pire que du contrôle. Bah en vrai excusez-moi, on va essayer de taper sur eux. Damné par le feu, ça a l'air génial. On va taper là-dedans, dans la grosse zone. Et le héros a repris quasiment tous ses PV, mais vous imaginez ça? Si c'est pas honteux. Bah merci. Si c'est pas honteux, le héros a repris tous ses PV quoi. Oh là là. Bon, on va taper un peu dans tout ça. Hein. En vrai, effectivement, on va se faire éclater. Hein. C'est ouf. Pourtant, je fais du gros dégât de zone, hein, mais... Ils sont plus que solides. En fait, ils ont beaucoup de soins. Ça, c'est assez horrible. Allez, vas-y, t'as une chance sur deux de lui faire très très mal. On y croit, tu peux le faire. Égratignure. Le chat, ça va? Je te dérange pas? Non. New, rien du tout. T'essayes de manger ma nourriture. Oh, il se re-soigne derrière. Mais quel enflure. Oh mon dieu, c'est horrible. Unit has fallen. Non, ça va être immonde. Alors par contre, il y a du gros dégât de zone. Ça au moins c'est bien. C'est quand tu tapes vraiment beaucoup de gens en même temps. C'est très cool, c'est très très cool. Mais ça change pas que c'est quand même horrible. Ouais, j'aimerais bien quand même tuer le héros. Mais il continue à pioncer mon héros à moi? Mais vous êtes sérieux? Allez, vas-y, retape dans le groupe. Au moins, ils gâchent leurs soins. Faut voir le bon point de vue. Au moins, ils gâchent leurs soins. Là, j'ai pas de ligne de mire. Ok. Bon, y a une chance sur deux que je les élimine. Allez, on y croit. On y croit. Très bien. Mon héros, il a décidé qu'il jouait jamais. Hein. C'est, il a autre chose à faire dans sa vie. Mourir, par exemple. A priori. Oh, et tu fais spawn des saletés de Psinumbra. Oh, mon dieu. Oh, mais quel enfer, ce combat. Mais quel enfer, ce combat. Oh, mais quel enfer, ce combat. C'est horrible. C'est horrible. En fait, je vais rien tuer. Hein. Je vais réussir à rien tuer. Waouh. J'ai tué un ennemi de tout le combat, je crois. Et il te remet du bouclier, il te remet de la régène. Oh, mais quel... Oh là là là. Oh là 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 là. On lui a tué 3 unités. C'était beau, hein. Bah vous savez quoi, on a perdu notre capitale. On a perdu un héros, on a perdu notre armée. J'ai très clairement l'impression que Maïna doit avoir un joli territoire. Je pense qu'on est mort.
Je pense qu'on est mort parce que mon héros est derrière. Mes villes, elles sont ridicules. J'ai pas eu le temps de les développer. Elles sont vraiment pas bonnes. Mais en même temps, on est tellement en guerre contre tout le monde que c'en est infernal, quoi. Et on se fait attaquer constamment par toutes les créatures. En fait, c'est ça qui me saoule dans ce jeu. Ça, c'est récurrent. C'est que il aime bien te dire, soit tu vas faire des trucs qui, roleplay parlant, sont pas ouf. Roleplay parlant, tu vas te mettre avec telle personne, tu vas voir, ça va être plus simple. Mais par contre, ça colle pas. Roleplay parlant, c'est pas très logique. Soit tu décides de jouer roleplay et t'as littéralement la galaxie entière qui essaie de te brûler tes fesses. Et je vous avoue que moi, être 1 contre 50 000, ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas d'intérêt. Je ne vois pas d'intérêt, vraiment. Donc du coup, me retrouver encore une fois dans cette même putain de configuration où, parce que tu veux jouer roleplay, tu te retrouves avec la galaxie entière qui essaie de te cramer le cul, ça m'agace. Ça m'agace fortement. Ça m'agace très fortement. Parce que là, littéralement, tout veut te tuer. Les PNJ à la con veulent te tuer. Toutes les factions en face veulent te tuer. Et en plus de ça, t'as l'autre glandu là qui vient et qui fait disparaître dans le néant les territoires. Je vous avoue que je trouve pas ça fun. Je trouve pas ça fun, je trouve pas ça intéressant. Ça me laisse très perplexe. Ça me laisse très perplexe. Et là, elle va me rentrer en ligne droite dans le territoire, hein. Elle va en avoir rien à foutre. Elle va rentrer en ligne droite dans mon territoire et je pourrais rien faire. Je ne peux rien faire. Donc je trouve pas ça très intéressant. Je ne trouve pas ça très intéressant. Et c'est un euphémisme que de dire ça. Ici, on va transférer le QG. On sait jamais. On sait jamais. Sachant peut-être que ça arrivera à changer quelque chose, mais bon. Tu vas continuer à me faire un Vorpalin. On va continuer à passer les tours. Mais ouais, non, je trouve pas ça très intéressant le fait de se faire casser le fion par tout le monde. C'est pas. Encore une fois, ça me laisse très perplexe. Et c'est assez récurrent hein, dans la campagne, quand même, que soit tu joues roleplay, soit t'as tout le monde qui veut te cramer le cul. Tu fais bon, bah ok, cool. Je vous avoue que c'est agaçant. D'ailleurs, on a vu que la dernière fois, il a fallu que je joue avec, justement, puisque je savais que prendre telle décision roleplay, ça allait pousser tout le monde à être en guerre contre moi. J'ai fait juste patienter la chose. Ce que là on ne peut pas faire dans cette mission-là, parce que tu as le choix qui est forcé dès le début. Et du coup, j'ai très clairement utilisé mes alliés en sachant qu'à terme, j'allais les trahir pour les buter. Si je faisais une décision, ils allaient se retourner contre moi. Et du coup, j'en ai profité pour les utiliser et tuer tout un tas de bestioles. Et t'as lui qui vient t'emmerder. Encore. C'est un truc de ouf, ça. Oh oui, en plus j'ai même pas de garnison intéressante pour l'instant, donc cool. Ah, et il te renvoie déjà une armée. J'ai même pas supprimé l'armée d'avant qui m'a déjà renvoyé une armée. C'est sympa. Ah non, ça veut dire que c'est la première fois qu'il envoie une armée ailleurs que chez moi? Ah bah bravo, c'est bien, mieux vaut tard que jamais. Ok. On va faire une colonie de l'assemblage. Bah toi tu vas rester là en vrai. Tu vas rester là en vrai. Je suis tenté de venir renforcer ici, hein. Je suis tenté de venir renforcer ici. On va mettre les héros ensemble parce que Coco là, je le sens pas. Tiens, viens attaquer ça. Combat au risque. Ah. Attends. Et non, j'ai pas assez pour te modifier. Tu me saoules. Bah tant pis, tu restes là. Tu restes là et tu te mets en attente. C'est pas grave. Ah, et pénurie d'énergie. Allez, on se prend un négatif d'énergie. C'est bien. C'est vrai que ça faisait longtemps, ça aussi. Donc on a une morale qui va baisser. Donc ils vont commencer à tirer à côté. Non, mais c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est pas tip top. C'est pas tip top. C'est pas tip top du tout. Si au moins les ennemis se tapaient sur la gueule aussi entre eux et que du coup ils étaient un peu occupés ailleurs, ça me plairait bien, mais même pas. Pourquoi pas? On s'est fait déjà pégager Castigmate, on a galéré à la récupérer, mais on la repère tout de suite. Cool. Et mon allié a subi la défaite. Je suis officiellement seul contre tous.
ça y est. Je suis officiellement, littéralement, seul contre tous. Ah bah ça va être bien. Ça va être bien. Ça va être génial. Saleté, tu veux pas crever? Ok, on a perdu toutes nos unités, c'est génial. Il nous reste que nos deux héros. Cool, cool, cool. On a une nouvelle ville qu'on va appeler The Flying Flying Totof. Hop. Très jolie ville dans les montagnes. Ça, on met ça. On va mettre ça, 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 ça. La population fait de la bouffe et du bonheur en priorité. Toi, bah, t'es tranquillement en train de récupérer ma ville. Hein. De toute façon, j'ai plus d'armée, donc je pourrais pas récupérer la ville. C'est mort. C'est fini. Et Castigmat, on vient de la perdre et on la récupérera pas. On la récupérera pas. On ne la récupérera pas. Donc, si on n'a pas de bol, on a la petite Carminia qui vient maintenant nous faire une petite néantisation de Selanas. Et comme ça, on est bien, on a tout perdu. Voilà, pour faire l'idéal, quoi. Vraiment être, être bien comme il faut. Je suis sûr que ça serait l'idéal. Tiens, d'ailleurs, ça couperait un peu la frontière, c'est rigolo ça par contre. Si au moins la néantisation tu pouvais la gérer pour fermer des frontières et du coup avoir peut-être des goulots d'étranglement, ça pourrait être pas si mal. C'est vrai que si au moins on avait ça, si au moins on avait une zone où on a un goulot d'étranglement où on peut un peu gérer, où on peut un peu contenir les vagues d'assaut, ça c'est une chose. Parce qu'effectivement, être contre tous, mais ta zone de départ est une zone que tu peux défendre. C'est un truc et ça se fait. Là, y a rien à faire. Là, on se fait couper en deux dans tous les sens. Tu peux pas te défendre ou presque. What the fuck, quoi. Ah, et puis on voit que t'as le héros là qui descend pour venir nous péter les reins en bas. C'est génial. C'est génial. Ah, puis on produit plus de cosmites. On ne produit plus de cosmites. Et si je me trompe pas, on ne peut pas faire la paix avec les voisins. Non, on ne peut pas faire la paix avec les voisins puisque c'est le scénario qui fait qu'on est contre tout le monde. Et t'es en guerre contre quelqu'un, toi, ou pas? Techniquement, t'es en guerre contre ton voisin, mais ton voisin, il, a priori, il a décidé qu'il en avait rien à foutre de toi. Ah oui, d'accord, parce que ton voisin est en guerre contre littéralement l'univers. Ok, Claudius Proton... Ok, ouais. Donc c'est logique qui s'attaque à moi. C'est malheureusement logique qui s'attaque à moi. Ok, et ben on va faire avec, hein. On va faire avec, on va faire avec, et puis encore une fois, de toute façon, on va mourir. Là, vu comment c'est parti, vous attendez pas à une victoire. Hein. Si on arrive à gagner cette partie-là, sans recommencer, je vous avoue que c'est un peu... ça sera la surprise, hein. Ça sera la surprise du chef, parce que là, c'est mal barré. C'est un euphémisme que de dire que c'est mal barré. Hop, pour Lucario. On continue quand même à se développer, sait-on jamais, ça pourrait peut-être changer quelque chose. D'ailleurs ici, je pourrais... Ah, combat impossible, étonnant. Allez, vas-y. Bah, Flying Totof, c'est déjà plus notre ville. Voilà, elle aura pas tenu longtemps. Elle aura pas tenu longtemps. C'est bien. Très bien. On a perdu, hein. Moi je vous le dis, franchement c'est improbable. C'est improbable qu'on gagne. Je suis du genre à me battre jusqu'à la fin envers et contre tout, mais c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué de ouf. Et je pense que du coup la prochaine fois on se mettra avec Core. C'est pas roleplay, hein, ok, mais en vrai à un moment donné j'en ai marre moi de me faire casser le cul. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Ouais, youpi. Gérer l'offre du héros. Bah non, j'ai pas de thune, je suis en négatif, Coco. On va faire quoi? Allez, vas-y, fais un relais orbital, on sait jamais. Peut-être que j'aurai envie de téléporter des troupes à un moment donné. J'y crois pas, mais pourquoi pas. On va venir se mettre ici, à la goupille. J'ai pas envie de la perdre tout de suite. Sachant que t'es à côté. Génial.
Ici, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Céléardine, tu peux récupérer un secteur. Tu vas venir récupérer ce secteur-là. Pour essayer de relier un petit peu nos secteurs, sait-on jamais. Mais non, je serai toujours là pour toi. C'est mal barré là quand même, hein. Je pense qu'on va recommencer de zéro et qu'on va pas jouer RP, donc pour que j'en arrive là quand même, de toute façon on sait que c'est mal barré. Ah oui d'accord, t'as un secteur qui est tout seul, tout vide, entouré de rien. C'est rigolo. C'est rigolo. Tiens, on va venir mettre un petit secteur ici. On va mettre une base, parce que c'est plutôt rigodrôle. Il n'y a que juste un TP hein, d'ailleurs, en tout et pour tout. Mais du coup, si tu viens faire une colonie là, en vrai, t'es plutôt posé. T'es plutôt posé dans le sens où faut le vouloir pour venir te taper. Bon, après, il peut toujours y avoir l'autre petite Carmina qui vient et qui te met le décès en te faisant une néantisation, mais bon. D'ailleurs, on n'a toujours pas pris la néantisation. Je suis assez étonné. Ouais. Je m'attendais à ce qu'elle vienne nous en mettre une vraiment rapidement, en fait. Vraiment rapidement. Qu'est-ce que je peux y mettre ici? Une habitation. Et on va renforcer ça. Voilà. Operations available for priming. Ouais. Je serais bien venu récupérer la ville, hein, mais j'y arriverai jamais à temps. Parce que j'ai pas de troupes. Je n'ai pas de troupes et j'avais pas de revenus pour en faire. Mais là, oui, j'en ai. Viens. On va tenter de refaire un Vorpalin. Ça en fera 4. Est-ce que ça changera grand chose au moment de mon attaque? Je n'en sais rien, puisqu'il y a une armée avec des héros. Les héros sont absurdément plus puissants que les unités. En même temps, c'est normal, c'est des héros. Ouais. Au moins, on a pu replacer notre capitale. C'est toujours ça. Moi j'aurais bien voulu pouvoir rester dans mon coin, encore une fois je cherche même pas la guerre aux gens, ils sont saoulants à vouloir me déclarer la guerre constamment, tous autant qu'ils sont. Et puis surtout à ne pas se déclarer la guerre entre eux, si au moins ils allaient se taper entre eux. Foutez-moi la paix, défoncez-vous la gueule, entre vous, mais laissez-moi tranquille. Ah, c'est pas moi qui prends. Au revoir Claudius. Du coup c'est Claudius qui a pris. Par contre ça fait une belle ligne de néantisation. Donc en vrai, si tu arrives à récupérer les territoires qui sont par là, tu dois pouvoir te poser un peu bien, dans le sens où tu prendras pas trop d'attaques de ce côté là quoi. Terminer le tour hein. De toute façon on peut pas faire grand chose, donc on va passer le tour. J'aimerais bien reprendre Tardo. Ça serait bien. Ça serait très bien. J'ai des doutes qu'on y arrive, mais ça serait bien. Dans tous les cas, on va se remanger l'attaque par armée d'autonomes. Déjà que j'ai bien galéré à survivre la dernière fois, mais bon. Bref. J'ai même pas pu nettoyer mon terrain. Hein. J'arrive même pas à nettoyer mon empire. Hein. Pour l'instant, il y a plein de saloperies partout qui traînent parce que je ne peux même pas les récupérer, je peux même pas les nettoyer. Mes armées n'arrivent pas, elles sont tout le temps sollicitées partout. C'est assez ouf et c'est pas très agréable encore une fois. Tiens d'ailleurs ici j'ai réussi à mettre, oui j'ai quand même réussi à mettre le secteur ici, ça c'est rigolo. J'ai mis le secteur au nord, c'est toujours rigolo. Tiens, on va faire ça en prums. Et du coup, ici, il y a deux héros. Donc, j'ai pas envie d'y aller. Par contre, on va essayer d'aller attaquer The Flying Totof et de le récupérer.
On va essayer de reprendre Flying Totof. Si déjà je peux éliminer son héros principal, ça lui mettra peut-être un petit coup d'arrêt. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Ça peut, c'est toujours ça de prix. Puis moi, ça permet de reprendre ma colonie ici. Ça me permet de reprendre ma colonie ici. Ce qui n'est pas forcément un mal. Ce qui n'est pas forcément un mal. J'ai des doutes de réussir, mais sait-on jamais. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Il faudrait que j'aille ressusciter un héros aussi, mais de toute façon, j'ai pas l'énergie pour tenter de le faire, donc voilà. Du coup, c'est Aurore Coy qui est le nouveau boss. C'est Aurore qui est notre nouvelle boss du stream. Et effectivement, elle t'a défoncé la gueule parce qu'en fait, elle a offert plein de subs. Mais du coup, comme elle a offert les subs, c'est la personne à qui a été offert le sub qui est devenu le boss. C'est triste, du coup. Elle s'est auto-battue. Elle s'est auto-battue. Voilà. C'est quand même très la tristitude. Ça, c'est pour Selanas. J'ai jamais repris le secteur. Déplacement confirmé. Oui, tu viens là. Salut! Combat à faible risque. Veuillez mourir. Merci. C'est gentil. Puis tu remontes. Donc on a pu reprendre le contrôle de notre ville. Flying Totof est de nouveau à nous. Hop, hop. Très bien. Je peux améliorer mon héros. C'est incroyable. Fine gâchette. Et on est bon. Je vais également remplacer ça par des munitions incendiaires. Ça sera plus efficace. Ça sera plus efficace. Par contre ici, oh là là, et t'as déjà renvoyé des armées. Mais tu te fous pas un peu de la gueule du monde? Tu veux pas aller te mettre en guerre contre les autres? Tu veux pas aller taper les autres voisins? Pourquoi c'est moi que tu viens emmerder? Je vous ai rien fait, moi. Je suis un gentil petit robot qui vous a rien fait, quoi. C'est ça commence à me frustrer, hein, par contre. Ça commence à me frustrer un petit peu. Ça commence à me frustrer un petit peu. Du coup, la ville au nord, notre ancienne capitale, va tomber, hein. Elle va tomber. Allez. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Allez, allez, s'il vous plaît, passez les tours. Ici, magnifique. On va faire une habitation. Ordre requis. Ils vont venir nous attaquer, en fait. Hein. Donc, on va se mettre ici. Et on va se mettre en défense. De toute façon, on peut pas faire grand-chose d'autre. On a perdu Tardo. On l'a perdu. Ouais. On va faire avec, hein. Ok, toi tu te balades, fais ta vie. En attendant que le tour passe, moi je vais vous faire un truc. Ah bah tiens, combat impossible, allez. C'est bien. Ça manquait. Ah, et puis du coup, vous venez tous ensemble en bas. Ouh. Ça va être bien, dis donc. Tout ça, rien que pour moi, vous faire comme ça, oh là là. C'est sympa, hein. Franchement, j'en attendais pas autant, hein. Je vais vous refaire un sondage parce qu'on a perdu cette partie. Encore une fois, je l'accepte déjà au sein de mon cœur. C'est comme ça. Je vais vous faire un sondage. On fait quel choix? Donc nous avons trois camps. Nous avons le corps, nous avons Carminia et nous avons le comment on va l'appeler?
On est. C'est le camp de Fistiland. Voilà. Fistiland. Donc on crée le sondage. Actuellement, nous avons choisi Fistiland. Voilà. Actuellement, c'est le choix de Fistiland. C'est-à-dire que littéralement, l'entièreté de la galaxie a décidé qu'ils allaient nous casser le fion ensemble. Et c'est pas très plaisant. Ce n'est pas très plaisant. Voilà. Je vous l'avoue. C'est pas le grand kiff. C'est pas le grand kiff du tout. Core, c'est l'IA. C'est à mon avis le choix le plus logique à faire. Je pense. Encore une fois. Le choix le plus logique en dehors de Fistiland. Hein, parce que évidemment, le choix roleplay parlant le plus logique, c'est Fistiland. Mais le problème de Fistiland, c'est que c'est Fistiland. Voilà. Donc du coup non. Une fois, peut-être pas deux. Bon, après, si vraiment vous êtes tous à voter pour Fistiland, ça sera de nouveau Fistiland, mais je vous avoue que bon. Va manger tes grands morts. Voilà. Oh, il m'a vaincu. Ah bah, c'est étonnant, tiens. Ah, je m'y attendais pas. Connard. Le problème de Fistiland, c'est que c'est Fistiland. What the fuck? Bah, c'est simple, en fait. Le choix Fistiland, c'est qu'on est seul contre tous. Du coup, pour gagner, c'est compliqué. C'est très compliqué. D'ailleurs, de toute façon, c'est marqué hein, sur les différents choix. Au début du scénario, il te dit « Ça, c'est le choix le plus difficile. » Bah oui, je confirme. Le connard venait de tout ton cœur. Ah mais oui, non mais là, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre. Je ne prends pas de plaisir à me faire détruire en chaîne toutes mes armées, toutes mes villes. Pas de jurons. Eh merde. Voilà, c'est déjà raté, t'as vu? Bon, pas de jurons pendant 10 minutes, donc on va essayer de faire un attention, voilà. Hein. Le fait est que à l'heure actuelle, je ne prends pas du tout de plaisir ou de fun dans le jeu. Je ne vois pas ce qui est intéressant dans le fait d'avoir littéralement tout sur la map qui essaye de te tuer. Personnellement, moi, ça ne me plaît pas. Voilà, ça... C'est pas fun. Je ne trouve pas que ça soit fun. Everyone. Le fait est que, dès le début du jeu, on te laisse que trois possibilités. 1. Tu rejoins le corps, qui est donc l'IA qui met tout le monde sous contrôle pour soi-disant notre propre bien, tout ça, mais bon, c'est pas tip-top comme choix, quoi. Enfin, comme manière de faire. Mais admettons. Soit tu rejoins Carminia, qui est une entité cosmique chelou qui fait des choix chelous qu'on comprend pas vraiment pourquoi comment. Ah tiens, je perds encore, Lucario est en train de tomber. Ah bah franchement c'est étonnant, je m'y attendais pas. Voilà, donc il nous reste de moins en moins de colonies hein, et ça va continuer, ça va se réduire. Donc du coup, Carminia je me vois pas spécialement la rejoindre, mais bon pourquoi pas, hein, de toute façon je vous ai fait le sondage, c'est vous qui décidez, vous décidez qui on rejoint. Est-ce qu'on rejoint l'IA, est-ce qu'on rejoint Carminia ou est-ce qu'on reste solo? Sachant que ça c'est le combat solo. Allez, vas-y, viens m'achever. Et c'est la défaite. L'attaquant a gagné. Vous avez perdu. Oh, c'est étonnant. Vous avez vu? Quand littéralement tous les êtres vivants, plus ou moins vivants, qui traînent sur cette map, essayent de vous buter en même temps, et ben vous perdez. C'est bizarre. Hein. Franchement, on pourrait pas s'y attendre. Oh mon dieu, quel enfer cette partie. Quel enfer. En plus de ça, il faut prendre un truc en compte, c'est que les parties sont générées aléatoirement. C'est-à-dire qu'au moment où tu lances la partie, tu sais pas sur quoi tu tombes. Tu relances la partie, tu ne tomberas pas sur la même map. Donc ça change aussi beaucoup de choses, mine de rien. Ça change beaucoup de choses. Mais là, c'est bon quoi. C'est bon. J'ai autre chose à faire que me faire éclater en constant par littéralement tout ce que je croise. Tu rencontres quelqu'un, déjà t'es en moins 800 de relations directes et il te dit « Ah tiens, je vais te brûler ». Bon bah ok, c'est sympa, c'est sûr que ça fait des bons petits barbecues, mais bon. En l'occurrence, je n'ai pas envie de faire des barbecues, et je n'ai pas envie de devenir le barbecue, surtout. C'est pas... Je trouve pas ça très intéressant, encore une fois. Si au moins, quand tu te mets... Parce qu'il y a des jeux qui vous mettent dans des situations où tout le monde est contre toi. Il y a des jeux qui le font. Essaye de commencer sur une île seule. Non mais si je pouvais, je veux bien. Le fait est que c'est généré aléatoirement, tu ne choisis pas où tu spawns. Tu ne choisis pas où tu spawns et tu ne choisis pas à côté de qui tu spawns. Tout est aléatoire. Donc si ça se trouve, là je vais respawn et je vais avoir mes deux alliés côte à côte et je serai super bien. C'est possible.
comme cette fois-ci, je peux tout à fait spawn littéralement entouré de tous mes ennemis au centre de la map. C'est possible aussi. On ne sait pas. C'est toujours ça l'aléatoire. C'est fort, ça peut être intéressant, mais en même temps, c'est à double tranchant, quoi. Enfin, il y a un moment donné, du coup, le corps, ok. Et du coup, c'est vraiment à double tranchant de ouf, parce que t'as des parties où ça se passe, mais avec une facilité incroyable. Il y a une partie avec les Amazones, ça a été une ligne droite. On a avancé en ligne droite et tout s'est très bien passé. A contrario, il y a des parties, c'est une purge. Là, c'est une purge. Tu spawns, t'es entouré de trois ennemis qui, dès le début, te déclarent la guerre et ne se foutent pas sur la gueule entre eux, et tu te retrouves à te faire défoncer. Ça a très bien commencé, j'ai pu éliminer un ennemi, sauf qu'en fait, techniquement d'ailleurs, j'étais pas entouré de 3 ennemis, j'étais entouré de 4 ennemis. J'ai pu éliminer un ennemi au tout début de la game, genre vraiment en rapide, et derrière, tu peux rien faire. Enfin, moi en tout cas, je sais pas comment faire, mais c'est pas possible, je me fais attaquer sur tous les fronts. J'arrive pas du tout à maintenir une armée en état, parce qu'elle perd à chaque fois une unité par une unité par une unité. Enfin, vraiment, c'est pas plaisant. Je trouve pas ça plaisant, quoi. Comme gameplay, vraiment, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. C'est pas ouf du tout. Donc, je comprends pas le délire de devoir faire affronter tout le monde. Encore une fois, si tu fais affronter tous les autres joueurs, ça peut être intéressant, mais notamment quand ta zone de départ est un peu protégée, quand t'as un goulot d'étranglement. Ça peut être intéressant, parce que du coup, bah justement, il va falloir tenir à un endroit un peu comme le col des thermophiles, quoi. Et ça va être vachement intéressant pour ça. Là, what the fuck, quoi. Enfin, non. Oui, j'ai déjà lu le texte. Tu te calmes, on s'en fout. On s'en fout. The race is on, and we are only one in a dozen. Je sais. I don't know which battles lie ahead, what enemies we are about to face. Donc on a dit qu'on allait se mettre avec notre camarade le corps, donc avec l'IA. Techniquement, la partie d'avant, le scénario juste avant, on s'est rebellé contre l'IA, on lui a dit tatata. Nous on fait nos propres choix. Donc on va dire que roleplay parlant, on a décidé de notre propre choix que là il fallait être avec lui. Allez, pourquoi pas, ça peut passer. C'est pas très très cohérent. Juste après lui avoir dit va voir ailleurs si on y est, mais pourquoi pas, on va dire ok. Peut-être que cette fois-ci on sera mieux, on sera en meilleure position, j'en sais rien. Hop, allez, viens poser tes petites fesses. Là déjà on a l'air d'avoir un goulet d'étranglement, c'est intéressant. Ok. Oui, blabla. Merde. J'ai cliqué trop vite. Non. Je me suis trompé. Attends, j'ai cliqué trop vite. Stop, on recommence. On refait. Normalement, voilà, j'allais dire on spawn au même endroit. Et merde. Non, c'est bon. Donc voilà, c'est là où on peut choisir. Nous pouvons choisir avec le corps, c'est la difficulté facile en l'occurrence. On peut choisir avec Carmina, moyen. Et si du coup tu veux faire le choix le plus logique, le choix qui est roleplay parlant le plus cohérent, c'est-à-dire ne pas se mettre sous contrôle d'un autre tyran, eh ben c'est le choix difficile. Quelle joie ultime! Je file des bisous. Et bah des bisous, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci énormément encore pour les subs. C'est vraiment adorable. Et puis bah du coup, passe une bonne soirée. Peut-être à demain. Demain, on est quoi? On est mardi. Demain, normalement, on fait de la revue d'actu ou du lecture de sciences sociales. Je sais pas encore. Mais normalement, demain, on n'est pas sur un stream jeu 2. On sera sur un stream blabla. Sur un stream discussion. Mais du coup, passe une très bonne soirée. Merci d'avoir été là. Des bisous. Bon bah du coup vous avez dit corps, donc on rejoint corps, l'IA. Quelle idiotie, j'ai vécu tant de trop nombreuses réalités pour laisser une telle trahison nous priver de notre liberté. Vous n'avez pas à se terminer de la sorte, Hélène. Quand ce sera fini, votre impératrice pleurera votre âme. Quel choix judicieux. Voyez au-delà de votre cupidité personnelle. Attendez d'autres instructions. Carminia doit être anéantie. Ok. Cool. Par contre du coup on est en guerre avec le Parangon. D'accord, les parangons sont contrôlés par Carminia. D'accord. Ok. Soit. Très bien. Donc là, on a l'air d'avoir un petit coulé d'étranglement, ce qui est plutôt intéressant. Donc on va venir faire ça. On va venir faire, hop, ça. Et toi, tu vas venir...
tu vas venir par là en bas parce qu'il y a l'air d'avoir une construction, donc tu vas descendre. On peut améliorer notre commandant, on va vouloir amplificateur, on va vouloir aura, on va vouloir extension, on va vouloir arme personnelle, réassemblage, réparation, visée stable, gardien. En vrai, conscience globale, c'est plutôt pas mal. Fine gâchette, spécialiste, spécialiste, et on valide. Et il nous reste 0 points. Incroyable, on est tout comme il faut. Nous avons une nouvelle colonie principale qui sera donc la Goupille. Hop, on va y mettre de l'industrie et on verra quand on y sera. Ok. Et on passe un tour. En vrai, ça fait déjà une heure pour la VOD, donc je pense qu'on va couper là aussi pour la VOD. Je pense qu'on va couper là pour la VOD. Du coup, on repart de zéro, hein, parce que bon, voilà. Rencontrer ceux qui ont choisi de restaurer l'ordre, leur aide par le passé a été difficile dans la reconstruction de l'Union Stellaire. Les premiers de l'assemblage désirent le retour de corps depuis notre création. Nous nous souvenons de sa voix, qui apporte ordre au chaos, perfection à nous autres mortels. Le corps a reconnu les Kirko comme le peuple libre et autonome qu'ils sont. On a promis des réparations aux Oxchar et donné aux Kirko Ténac les moyens de punir ceux qui refusent la liberté de nos frères. En tant que Dvar, il n'y a aucun doute que Dieu ne pouvait exister que sous forme de machine, pas en tant qu'être de chair ou psionique distant. Dans ces circuits, les plans pour atteindre harmonie et paix sont calculés et améliorés à chaque seconde qui passe. Une machine est plus solide et plus fiable que n'importe quel dirigeant de chair et de sang. Il n'y a ni trahison ni corruption à craindre sous le règne de Kor. Nous autres Amazones chérissons la vie, qu'elle soit biologique ou composée d'acier. Bien que toutes les espèces aient besoin de leur liberté pour se développer, ce n'est qu'avec une protection étroitement contrôlée qu'elles peuvent se prospérer. Bien parlé, mais pour restaurer la paix, la menace que représente Carminia doit être éradiquée. Les forces autonomes ont été reconnectées. Employez leur assistance. Ok. Bon bah a priori du coup ça sera une partie vachement plus simple. Je sais pas si je trouve ça incroyable que du coup ça soit vachement plus simple. Mais bon, on va faire avec. Message de la faction autonome, tu veux que j'aille tuer des trucs? Ouais, si tu veux, hein. Tu as un secteur non défini. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. On va faire 2-3 petites recherches. Hop. 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 Ah, ensuite, tu viens là. 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 On fait ça, on fait ça. On fait ça. On fait ça. On fait ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. 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 On vient ici. Ici. Développement aquatique, on en a pas, on s'en fout. On va faire ça. 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 Et en vrai, il faudrait venir développer un petit peu ça. Tap, tap, tap. Ok, on va faire ça comme ça. Normalement, c'est un bon start. Du coup, on a plein d'alliés. Alors, plein d'alliés qui sont très côte à côte les uns des autres, mais pas avec nous. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'on va avoir plein de connards autour de nous. Est-ce que vous aussi vous êtes heureux? Oh, putain. Ça veut dire qu'on commence, on est entouré d'ennemis, quoi. Oh. Coucou Kirit. Ça veut dire qu'on commence entouré d'ennemis sur cette partie. Si tous nos alliés sont ensemble et de l'autre côté de la map, c'est très simple, c'est qu'il n'y a personne à côté de nous. Enfin, il n'y a pas d'alliés à côté de nous. Il n'y a que des ennemis à côté de nous. C'est génial. Génial. Ah, ça me rend heureux, hein. Il n'y a pas à dire, hein. Oh là là, quel enfer. Objective completed. Quel enfer. Tiens, viens là, toi. Prends de l'énergie, puis reviens là. Quel enfer. Et une bonne partie alors. Ouais, ouais. Alors en fait, on vient de se faire défoncer dans le scénario juste avant. Hein. En fait, là, c'est une mission qu'on recommence. On vient de recommencer cette mission parce que la mission juste avant, on a perdu. Donc voilà, pour vous donner le délire. Donc nous, on est ici. Hein. Vous voyez, ça, c'est nos deux territoires.
Et ben ça, c'est nos alliés qui sont tous côte à côte les uns avec les autres, mais qui sont loin. Parce que du coup, dans tout ça là, il y a forcément des gens, hein, là-dedans, il y a forcément des gens, et c'est pas des alliés. Voilà. Donc nous, comme des glandus, on va être entourés de connards. Et d'ailleurs, on voit que là, il y a quelqu'un. Là, il y a le territoire de quelqu'un, un propriétaire inconnu, qui est probablement quelqu'un qui nous est opposé. Ouh, ça va être bien, ça va être bien cette partie. Ouh, on va bien s'éclater. Ah, ça va être sympa. Ça va être sympa comme tout. Déjà que la partie d'avant, j'en ai eu vraiment ras la casquette parce que littéralement j'étais entouré de que des gens opposés à moi. Quatre personnes opposées à moi. Alors là, je sens que ça va être génial, ça va être la même. Ça va être la même. Voire peut-être qu'on en aura plus que quatre autour de nous. Histoire de bien vraiment faire un bon level up dans le truc bien, quoi. Enfin. On va venir ici, on va récupérer ça. Tu vas faire quoi, toi? Tu vas me faire des tireurs d'élite voire paladins. Tu vas me faire un colon. Tu vas me faire un colon et des tireurs d'élite voire paladins. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Mais je vous avoue que ça va très très vite me saouler. Hein. Je vous avoue que ça va très très vite me saouler si c'est ça. Hein. Enfin, si c'est ça. Je sais que c'est ça, parce que de toute façon, encore une fois, on voit le territoire d'un autre personne en face de moi. Et je ne suis. Enfin, je suis déjà en alliance avec ceux avec qui je peux être en alliance. Tous les autres sont forcément des ennemis, sont forcément en guerre avec moi. Dès qu'on va se rencontrer, ça va déclarer la guerre. Donc, génial. Génial. Génialissime. Et là, je rencontre les autres. Non. Non, c'est les messages de mes alliés. Ils doivent me dire coucou, ça va bien se passer, serre les fesses. Bonjour. Les habitants de l'implantation vous connaissent de réputation et souhaitent se joindre à vous, mais très bien. Donc la vie est virtuelle, c'est la somme de vos perceptions et des émotions. Transférez votre conscience, modifiez simplement les règles régissant la manière dont vous traitez les données du monde. Votre matrice cérébrale a besoin d'une mise à jour, Hélène Shaw. L'impératrice Carminia mène votre révolution technologique. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Youhou! Ah, et je suis déjà aux frontières avec Zarei Loreg, qui est déjà, donc vous le voyez, à 800, moins 800. Donc on est déjà en ennemi. J'imagine que faire des échanges commerciaux, c'est mort aussi. Ah bah bien sûr, non, non, là tu fais rien. Là tu te bats et tu espères réussir. Donc elle est là en dessous. Elle est là en dessous. Elle est là en dessous. Très bien. On va les chasser et on va les éliminer. Très bien. Assemblage de Vorpalin. On va venir modifier les Vorpalins tout de suite. Voilà. Éviscérateur, très bien. C'est génial. Fais ton plan. Fais ton plan. Là, on a récupéré la nourriture. Ça va être incroyablement horrible hein, comme partie. Ça va être incroyablement horrible comme partie. Ça va être un enfer. Ça va être un enfer. Ça me donne qu'une envie, c'est de quitter le jeu là. Parce que sans déconner, non quoi. Non, non, non. On a une ville ici qui va s'appeler Kirit. Hop, industrie. Vorpalin. On vient prendre ici nourriture, bonheur. Relance au pire. Encore, ouais. Ouais. Après, eux, je sais pas s'ils spawnent pas côte à côte. Non, je pense pas parce que tout à l'heure. Tout à l'heure, ils avaient pas spawn ici. Après, de toute façon, oui, c'est généré aléatoirement. Donc, non, de toute façon, ils peuvent pas spawn à côté. Enfin, c'est pas prévu spécialement. Par contre, peut-être que c'est prévu qu'ils spawnent à côté et moi séparé. Mais ça me semblerait étonnant aussi. D'ailleurs, ils commencent, ils ont déjà plus de territoire que moi. Non, c'est parce qu'ils ont pris deux. D'accord, ils ont. Ok, ils ont récupéré les zones. Ok. Ouais, je sais pas.
Ouais. Je sais pas si ça change grand chose en fait. C'est ça le problème, c'est que je sais pas si si ça va être mieux ou pas. Je sais pas si ça va être mieux ou pas. D'ailleurs, je m'étais dit peut-être qu'on a de la chance et qu'on a un truc qui nous bloque un peu un côté. Et puis, ben, j'ai pas l'impression vraiment autre mesure. Peut-être que si en partant par là, faire des colonies. Cœur de la justice municipale. Ah, ça c'est quoi ce truc? C'est un palais impérial? Peut-être un palais impérial. Bon. De toute façon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En vrai, il est quasiment 17h, donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je vais vous envoyer chez quelqu'un d'autre et on verra mercredi matin qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue ce scénario-là ou pas? Parce qu'encore une fois, de toute façon, si c'est pour se faire exploser en chaîne, moi j'ai autre chose à faire. Hein. En toute franchise, merci mais non quoi. Merci, mais non merci. Donc là, là, ça me saoule un petit peu le scénar. La fin de campagne est pas très intéressante, encore une fois. Je suis très perplexe. Je suis très perplexe. Je suis très 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 perplexe. Ça me laisse vraiment avec un goût de pas très bon dans la bouche, quoi. C'est vraiment, je trouve ça étonnant. Je trouve ça un petit peu très étonnant, donc bon. Bébé chat qui fait dodo, ben oui. Bah oui, bébé chat il fait dodo, bien sûr. Hein, ma chérie? Bah oui, hein. De toute façon, l'autre côté aussi, hein. Si je me décale. Voilà. L'autre côté aussi, vous avez Stockholm qui fait dodo. C'est vraiment bébé, hein. Oh oui, hein. Donc c'est l'heure de la sieste et là vous avez le pouf et sur le pouf il y a Monsieur Chat qui tape sa sieste aussi. Hein. C'est l'heure du dodo. C'est l'heure du dodo. Bref, qu'est-ce que je vous disais du coup? Je vais vous envoyer en raid chez quelqu'un. Je vais vous envoyer en raid chez quelqu'un. Qui c'est qui est là? Bah tiens, il y a Limon. Il y a Limon qui est en train de faire du Road 96. Je vais vous envoyer chez Limon. Enfin, je vous ai jamais envoyé chez Limon parce qu'elle a commencé à faire justement des lives depuis très peu de temps. Donc, bah, du coup, je peux difficilement vous avoir envoyé chez elle. Took Limon makes lemonade. Bah, du coup, je vous envoie chez elle. Ah, mais je crois qu'elle a fini, non? Ah non, mais t'as pas fini quand même. Attendez. Attendez, je vais voir si elle a fini ou pas. Parce que si elle a fini, du coup, c'est couillon. Si elle a fini, c'est un peu dommage. Et merde, elle a fini. Donc du coup, bah non, pas elle. Du coup, pas elle. Je vais vous envoyer chez qui? Je vais vous envoyer chez qui? Je vais vous envoyer chez Red Fanny. Voilà. Je vais vous envoyer chez Red Fanny. Je vais vous envoyer chez Red Fanny. Tac, retour. Red Fanny. Voilà. Elle est en train de faire du Little Nightmare 2. Bah du coup, j'espère que vous passerez un bon moment avec elle. Tout comme vous avez passé un bon moment avec moi, je l'espère. C'est fini pour aujourd'hui. On aura quand même avancé, puisque mine de rien, on a fini un scénario aujourd'hui. Même si le tout dernier scénario se passe pas très bien, puisqu'on vient d'être obligé de le recommencer, en soi, on s'approche quand même de la fin de la campagne. C'est juste que là, comme ça, je vous avoue que je trouve pas ça agréable du tout. Encore une fois, d'être opposé à tout le monde, ça, je trouve pas d'intérêt. Et d'ailleurs, là, on s'était dit, on va se mettre avec le corps qui est censé être en difficulté facile pour voir si ça se passe mieux. Et au final, ça se passe absolument pas mieux, puisque on se retrouve complètement séparés de notre camp. Avec littéralement tous nos ennemis autour de nous. Enfin voilà, à un moment donné, je crois que le jeu il m'a dit là aujourd'hui tu vas aller te faire mettre. Ok, soit, faisons avec. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai complètement oublié de couper la VOD. Petite fougère de YouTube, ça fera une longue partie à la fin pour dire que voilà, je rageais un petit peu. Des bisous, fougère de YouTube.